ميكروفون فاز شيء. لا يمكنك اقتناء تذكرة لركوب ترامواي صيف إلا بعد وضع الكمامة. هذه الوسيلة الحيوية تعرف صرامة كبيرة في تطبيق إجراءات الوقاية. ميكانيزمات كثيرة وعديدة بالنسبة بيان سور بور ليتوي كونتر لا بروباغاسيون دو كوفيد. منها هو وضع الكمامة تكون إجبارية وهذا على مستوى القاطرات بالنسبة للمسافرين وأيضا على مستوى المحطات المسافرين. هناك أعوان أمن وأعوان مراقبة متشكلين من فرق 2 إلى 3 يكونون على مستوى القاطرة وذلك لحفاظا على الإجراءات الوقاية. هنا راكب أرخى كمامته فيطلب منه الأعوان أن يضبطها، وهناك تقارب يستدعي التفريق سواء داخل الترامواي أو في المحطة. كل المخالفات ترصد في حينها دون تسامح. في حالة ما لاحظنا مخالفة أو تعسف من طرف مستعملات وسيلة النقل فيتخذ إجراءات صارمة كل عون من أعوان شركة سيترام، إذ نقوم بالتنسيق بمصالح الأمن أو نحثهم على ارتداء القناع الواقي أو احترام مسافة الأمان، وذلك لسلامتهم أولا ولسلامة عائلتهم. هذه الإجراءات لاقت استحسانا كبيرا وسط المواطنين، وممثل جمعية المستهلك يقول: سيترام سطيف يعني من بين الشركات والمؤسسات الوحيدة اللي تحترم في التدابير الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وهذا خوفا على صحة وأمن المواطنين. واغتنم هذه الفرصة بأن توجه برسالة إلى مستعملي الترامواي بيساعدوا الأعوان هؤلاء لأنهم يعملوا في صالحهم. هي وسيلة نقل جد حساسة في هذا الظرف الصحي، ولحد الساعة من ركب ترامواي سطيف فهو آمن
ولا مجال للاستهتار. On l'attendait avec impatience, le voilà fin prêt. Le tramway émerge enfin de la capitale des Hauts-Plateaux. Il se prépare pour la mise en circulation. La locomotive rouge semble totalement intégrée à l'histoire, à l'architecture et à la vie de la cité. Désormais, les Sétifiens peuvent concevoir le voyage autrement. C'est formidable. On souhaiterait que ce projet portera du bien à Sétif. الصيف ولا طري جولي الحمد لله يا الصيف كي كيفاه ولا يعني الله يبارك ما شاء الله ويعني الصيف الصيف العالي صح هذا وين ولا يعني الصيف طري جولي طري جولي طري جولي تحيه الجزائر. Facilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux malvoyants, le tramway se distingue aussi par son confort à l'intérieur grâce à ses différents modules de sièges adaptés à tous les usagers. Ça marche très bien, donc on arrive à la fin, on est sur les dernières retouches, finalisation du projet. La voie ferrée elle est finalisée à 100%, donc aujourd'hui on est à l'intérieur du rame, ça fait 3 jours qu'on a commencé la marche à blanc avec les nouveaux candidats et tout ça, ça marche à merveille. Et pour faire connaître ce nouveau moyen de transport urbain, une campagne de sensibilisation est menée par les agents d'exploitation en vue d'informer les usagers quant à la signalisation ferroviaire, routière et piétonne, mais pas seulement. C'est par rapport à l'utilisation du tramway, comment ils vont utiliser le tramway, où ils peuvent acheter leur titre de transport, les modes de titre de transport, puisqu'on a un titre magnétique. 2 lignes traversent la ville et son agglomération pour desservir 26 stations sur une distance de 22 km. On a injecté 12 rames sur la ligne. C'est des navettes régulières. Les débuts, on va injecter 12 rames qui vont faire le va-et-vient. Et chaque mois, on va injecter deux de plus. Donc on compte faire, Inch'Allah, une affaire de 30 000 voyageurs jour. On a 450 employés permanents chez Cetram et 40 employés chez Cetal. Ce qui reste à réaliser, c'est beaucoup plus, c'est quelques aménagements urbains. Le tramway accompagne en effet l'émergence de projets d'aménagement tout au long de sa ligne. Des aménagements urbains qui consistent à meubler les artères principales de Sétif et redessiner les avenues de façade à façade. Il a meublé la ville de Sétif, que ce soit en design, que ce soit en aménagement urbain, meubles et tout ça. Moyen de transport surtout. Bien sûr, c'est le projet transport, transport urbain. Et voici le cœur du réseau tramway. Il s'étend sur 8 hectares, dispose aussi de 5 bâtiments. Le centre est doté d'un poste de haute tension électrique, d'un poste de garde et d'un atelier de maintenance, ainsi que d'un poste de commande. Toutes les navettes partent d'ici. Elles sont contrôlées, surveillées et commandées à partir de ce poste. Et de gérer et régulariser la ligne du tramway de Sétif. Donc la régulation soit de la ligne, soit de l'énergie. Donc on voit toutes les informations en temps réel. On a la communication avec toutes les rames et toutes les stations. Un élément de mobilité et de modernité, c'est aussi un projet écologique moderne et facteur de développement qui préserve la ville d'hier et anticipe la ville de demain. Sétif change ainsi de visage, sans pour autant perdre son identité, celle d'une ville riche de son passé et résolument tournée vers l'avenir et la modernité.